Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Max on Board Behind the Tour. C'est parti, départ dans le bus, 4 heures de bus direction Iquique, donc let's go. Là on attend le taxi, taxi man. Comme à la maison, Dune du Pila. Bon, et parfait, bien arrivé à Iquique. Franchement, sunset incroyable ici sur la dune de sable avec tous les boys. Trop cool parce que le bus était un peu long, je vous avoue là. Et puis là, voilà, on va essayer de se reconcentrer, de se remettre dans le bain pour la compète qui va commencer très bientôt. Demain matin, on va faire un petit training sur le spot et voilà, se mettre en rythme pour la compète qui arrive. Oh, c'est parti, let's go sir. It's vlogging time. You might not wanna get close. We a little wild war. Covered in tattoos. Running up, taking all the views. Stepping on place, feeling the fear. I know you feeling it in the air. Whole squad wearing all black. Motivation's looking real bad. We back to the bone. Raising a fire alone. We ain't never needed nobody. Give me 6 feet, this is my party. Ain't got no feelings, we heartless. Take a peek inside the darkness. Blow up the spot, then we run it. Ready or not, here we coming. Somebody better say a prayer for me. Party till 5 in the morning. Do it again in the morning. Do it like we did as rhyming. I think the government watching. Minister perfect society. Struggling with my sobriety. Struggling with my anxiety. Are you feeling the insanity? Yeah. Bon et voilà, première session de Don ici à Iquique. Le spot est dingue. Pas évident à rider franchement, mais c'est grave. C'est dommage, il y a eu plein de monde qui est arrivé sur le spot. Tout le monde s'entraîne un peu, mais c'était bien cool. Vue de la chambre, assez sympa quand même. À remarquer que là, c'est le spot de compète. Par contre, toute petite chambre d'hôtel radée. Je vous fais la visite quand même. Là, la salle de bain avec le lavabo, le lit, les toilettes juste derrière. Les petites affaires. Hop, regardez celui-ci là. Tac. Il est là, oui. Yes. Je vous avoue que je suis toujours sur mon petit nuage d'Arica. Là, c'est un peu dur de réussir à reset, à oublier tout ça et se remettre concentré et focus pour la compète. Aujourd'hui, c'est le premier jour, du coup, il y a les boys qui vont passer. Là, on va aller les supporter et nous, ce sera demain. Donc voilà, début de la compétition aujourd'hui. C'est parti. Et la zone de compète est incroyable, ils ont fait vraiment une énorme structure. Le live aussi est dingue. Du coup, regardez un peu tout ça. C'est là-bas, la zone de compète, la vague. Suivez-moi, je vais vous montrer tout ça. Zone de compétition incroyable ici. Regardez ça, on a les juges, le live stream, la zone de compétition. 8 minutes con 25 secondes, se mantienen. By Midush. Blanco, tu estás en primera posición, tu tienes la primera prioridad. Là on est dans les backstage, regardez ça là, c'est un peu toute la zone de contrôle. Ici c'est là où ils gèrent toutes les caméras, les vidéos pour le live. Et là regardez, on est en direct du live, regardez ça. Ah
Ici, c'est la partie avec tous les petits restaurants. Regardez ça, mystique, plein de petites roulottes. New job for dinner. Bon, fin de la première journée de compète. Malheureusement pour les Frenchies, la personne a réussi à se qualifier. Tout le monde a perdu dans les premiers rounds, donc il y aura que Pierre-Louis et moi au main event. Et ça va commencer dès demain. Demain, après-demain et jeudi, ils vont enchaîner trois gros jours de compétition là. Donc ça va être le temps de se mettre focus et tout donner pour la compète. Fin d'une longue journée de compète, ça a enchaîné hier, aujourd'hui, j'ai passé une série hier, deux séries aujourd'hui et du coup là je viens de me qualifier pour les huitièmes de finale de la compète, je suis trop content. C'est déjà un bon résultat parce que sincèrement il y a énormément de niveaux et la vague elle est très compliquée quand même, donc je suis bien content. Demain man on man contre le Chilien Alan Munoz, donc là je vais me poser, me reposer un peu et rendez-vous demain matin. Bon voilà, fin de la compétition pour moi, je termine du coup 9ème de cette seconde étape du World Tour ici à Iquique. Je vous avoue que forcément déçu de pas aller plus loin, mais en même temps Alan est très très fort sur cette vague et j'ai quand même fait une bonne compète, donc je suis quand même assez content de ce résultat. Voilà, 3ème à Rica, 9ème ici, c'est un bon début de saison, surtout que comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de trop s'entraîner sur cette vague et elle est quand même très particulière et on voit bien que les locaux ici ont quand même un bel avantage, donc bon voilà, c'était assez dur de se remettre dans le bain de la compète après les émotions d'Arica. J'ai réussi quand même à reset et à me remettre focus pour faire un bon résultat ici. Donc je suis quand même content. Maintenant, on va profiter un peu de la ville ici à Iquique. Chaka. Trop cool d'être au restaurant avec ses potes.
comme ça. Bon, dernier jour ici à Iquique, demain on prend le bus pour Antofagasta, c'est le jour des finales, du coup là je trace à la compète pour aller voir un peu le show, la cérémonie avec les podiums et compagnie. Et voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Yon, ça te fait quoi de profiter de ta dernière journée en tant que 5e mondial? Bah tu me parles pas en fait, je profite un peu, je suis 5e mondial, je me casse pas les couilles en fait. Moi je suis 69e, grosse perf à Iquique. Bien content là. C'est la finale, le soleil est sorti, show it's on. Third place for Jan Comber. Finally, bro. Congratulations, brother. Feels like it. Last time I got on the podium, bro. Bon, voilà, dernier sunset ici à Iquique. C'est la fin du trip. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne pour le prochain épisode qui sera en direct d'Antofagasta pour la 3e étape du World Tour. On prend le bus demain. Donc voilà, je vous dis à très vite, merci à tous.